Bonjour la VOD, nous sommes sur Elden Ring, ça fait au moins un mois et demi que j'ai pas joué, je dirais même presque 2 mois. Et on reprend sur un boss qui me faisait déjà beaucoup galérer au moment où j'ai quitté. Et bah là je sais plus comment on joue, alors voilà. J'ai fait quand même quelques essais avant de lancer la VOD, histoire de me... voilà. De se rappeler quoi. J'appuie sur B, je vous jure. Ce jeu est tellement incroyable, le mec, que j'ai converti la platine en 90 heures. Et B. On a torché le jeu. Quant à moi, level 215. Ah oui, vous jouez à 2. Ouais, bah ça va plus vite. Ouais. Un anglais m'a drop tous les items du jeu. J'ai battu Morgue. Je sais pas qui, je sais plus qui c'est. À la capitale, j'ai battu les deux boss. Votre frère et l'autre. Ok. C'était très sympa de... Non mais sérieux, la portée de fou quoi. Il me fait que reculer, ça me saoule. Je voudrais sortir de ces zones. Voilà. Voilà. On va y arriver, hein. Je l'ai eu ou pas? Non, je l'ai pas touché. Mais j'ai esquivé là, putain. Pourquoi elle a pas esquivé? Ah non, elle a couru. Je vais attendre, j'en ai marre. De chacun de son côté. Ah je sais pas, tu me dis on m'a torché le jeu. Du coup je pensais que c'était à deux quoi. Mais en partie PS5. Oui d'accord. À deux le jeu est plus dur. On s'est donné des astuces, partager son écran. Ah ok. Oui bah après... En soi c'est surtout que la difficulté... Enfin le fait qu'on est deux est compensé par une difficulté qui est plus adaptée quoi. Mais tu joues avec quelqu'un qui sait bien jouer, c'est plus facile je trouve. Après moi je suis mage donc forcément quand j'ai joué à deux j'étais avec quelqu'un qui pouvait un peu plus tank donc ça m'a énormément aidé. Oh j'en ai marre, t'sais, il met 3 jours à faire un élan. Ça m'énerve. Allez déjà, super lourd. Tellement de risques pour pouvoir le stun. J'y arrive pas. Hein. J'ai réussi tout à l'heure, je sais pas comment j'ai fait. Y'a un joueur qui m'aide quand je bloque trop. On a un endgame plus 6. Ah oui, carrément. Le mec qui carry de fou le jeu. Connaît par cœur. Ouais.
Moi, j'avoue que c'est pas ce qui m'intéresse non plus. Sinon, bah déjà, j'utiliserais des invocations. Mais après, tant que tu t'amuses et passes... Oh, mais oui, j'avais plein de trucs à faire comme ça. C'est comment déjà? Et oui, je me rappelle. Bon, j'ai pas le temps là, mais oui, j'avais ça à faire. Ça a pris mon shield, ça fait chier. J'avais pas attendu. J'ai fait un bon enchaînement. C'est vrai. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Ah, c'est vrai qu'il se régène ce connard. Pas choix de me régène, sinon je mourrais. Ok. C'est bon, là je suis prête. Non, j'ai esquivé là, putain. Mes animations sont trop longues aussi. Totalement obligé de faire ça. Non mais c'est bon. J'en peux plus. Ça dure là. Non. 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 J'avais oublié que quand il faisait sa merde là où... Il fait du feu sanguinolent. J'avais oublié que ça le healait. C'était ça qui était très dur en fait, surtout. Mais j'ai pas assez de popo, hein. Je vais pas pouvoir. Hein. J'ai peau. Ah oui, il faut que je fasse ça. Et ça. Voilà. Et ça, et ça. Et là maintenant, je peux faire ça. Quand j'esquive avec le mauvais timing, c'est le pire truc parce que je meurs forcément pendant. Je peux rien faire, je vois la mort. C'est trop tard. Ça va être trop dur, ça va être trop dur.
Je sais même plus ce que je devais faire, si je devais vraiment faire ça et tout aussi. Il y a des invoques? Ouais, ouais, j'en ai, mais j'en utilise jamais. Je sais que vous me demandez ça à chaque fois, mais je... Je dis ça à chaque fois. J'ai pas fait mes trucs. Grave. Non, j'ai esquivé ta mère. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Allez. Merci, Elix. C'est un petit peu... Bref, bientôt tu pourras le dire, ouais. Il serait peut-être à l'entrave, ouais, ouais, ouais. Je me rappelle de ce truc. Non, ouais, pour prendre l'aggro pendant que tu attaques. Oui, non, mais je sais qu'on peut se faciliter le jeu au point où il n'y a plus aucune difficulté, mais c'est pas mon but non plus, quoi. Moi, je suis mage, du coup, si je prends une invoque, vraiment, ça rend très facile le truc, hein. Je l'avais constaté, c'est pour ça que j'en prends plus. Et bah moi je reste à distance, mon invoque prend l'aggro. Elles ont beaucoup de vie les invoques. Du coup bah voilà. Merde. Merde, ça y est, c'est maintenant. Non, j'ai vu. Ah, j'ai pris ma popo, mais j'avais oublié. J'avais pas vu, j'ai pas prévu. Que je veux au moins cancel un de ces trucs avec... Mon heal. Parce que j'ai pas assez de popo. J'ai voyagé trop tôt dans le passé? Non, dans le futur. Oui, un petit peu trop. Putain, merda. C'est ça et c'est ça, c'est ça. Je sais plus. Je crois qu'il faut faire ça. C'est ça. Voilà. Oh, on va... Ça. Et ça. Ça semble bien. Allez! Ah, j'ai pris tous mes buffs! Non, je suis dans le... Génial quoi, il était pile poil dans sa pluie de... Dans sa pluie de sang de... Enfin, bref. Je suis un peu chafouine. Oui bien sûr, encore. Toujours plus hein. Ça s'arrête pas. C'est marrant hein. Ton pif. Ah! Arrête!
Chiant. Non mais je peux pas esquiver à l'infini. J'avais fait un bon combo. Je vais dire t'es au vent, là je suis habituée à ta présence. En plus t'es sur Elden, c'est trop bien. Merci beaucoup, c'est gentil. Moi je pète un câble. Mais oui, je suis de retour. Ça fait très plaisir aussi. Je vais venir souffrir, mais devant une cam. J'allais faire plein de comparaisons dégueu. J'y ai presque. Et non, parce qu'après il se heal ce connard. Et j'ai oublié de prendre mes buffs. Merci. Génial, génial. C'est bon? Alors tu t'arrêtes un jour ou pas? Ça m'énerve de prendre 15 buffs au début pour mourir au bout de 30 secondes. Plus j'ai chaud. On va passer la soirée là-dessus. Non mais là j'ai esquivé. Je savais que si je me healais, toujours, enfin je reculais au même rythme que lui, du coup je pouvais pas me partir et me heal, enfin me heal, mettre de la mana. Du coup, je voulais faire un enchaînement, enfin, pas du. Les veufs avant la salle, pff, ça revient au même en vrai. Vu que je suis obligé de l'attendre là, vu qu'il met 5 minutes avant de m'atteindre, que je le fasse avant ou après. Je change pas grand chose, comme ça, ça lui laisse le temps de venir à moi. Voilà, c'est ça. Les 5 minutes, voilà, là c'est bon. J'en ai marre de ça. C'est vraiment le truc le plus dur en fait. Parce que moi je peux pas l'esquiver ce truc là. Peut-être des techniques, mais je les ai pas. Je vais attendre qu'ils viennent parce que sinon, si je stun dedans, bah je suis dans la merde. Non! J'ai commencé alors qu'il a commencé aussi. Je pensais qu'il allait mettre du temps à se retourner. Une bouffe à prendre avant aussi. Ah bon? Je m'en rappelle pas de ça. Je l'ai battu avec l'éclair de Zeus. Que tu envoies en incantation. Je connais pas. L'éclair de Zeus? Et des références à des dieux romains? C'est roman ou c'est grec? Je sais même plus.
Romain. Ouais. Non, pas ça maintenant. Et voilà, ça m'a pris mon shield, je suis dégoûtée. Ça m'énerve quand il t'enchaîne constamment. Moi pouvoir taper ? C'est plus non plus, du coup je demandais. Je prenais une bouffe avant ? De toute façon, j'en aurais pas assez. Pour mes 14 milliards d'essais que je vais faire sur ce boss, j'aurais pas assez de bouffe. Oh, je peux prendre ça tout de suite en vrai. Hein. Oh là, arrête! Non, mais voilà, pourquoi je veux pas prendre tout de suite ça? J'ai plus du tout de mana, j'ai même pas vu. Mais c'est chiant! Non! J'ai rien fait encore. Hein. Et puis en plus, il est en train de bien perdre du temps. Du coup, tous les stuns que j'avais. Enfin, toutes les... la possibilité de stun que j'avais accumulé, c'est mort. Ah non. Putain! Faut que je puisse me redonner de la mana, mais là c'est chaud. Ok. C'est lent. C'est tellement dur! J'ai un bulle de foi avec katana. Je peux encore assez pour switch sur la magie. Bon, de toute façon, la magie, c'est intéressant à low level, mais pas haut level. Je m'en suis bien rendu compte.
Non mais il met trop de temps. Avant de faire tous ses sorts, il met 5 minutes quoi. J'ai pas la patience. Voilà, ça m'use un peu de mana, mais j'ai plus de mana donc c'est pas grave. Oui non mais c'est bon, au bout d'un moment viens quoi. Je suis pas avancé quand tu fais ça donc c'est passionnant. Là, il me fait ça tout le temps. Allez. Ouhou. Non. Encore. Mais stop avec ça. Il a les pires enchaînements là. Enfin les pires. C'est très dur de donner un coup en fait. Au cac. Je réfléchis. Non, j'ai esquivé. En tête de sûr. Voilà, encore, super, c'est passionnant. C'est putain de passionnant. Je me tire, j'en ai marre. Ça va être un combat vraiment passionnant. Franchement, on va faire un combat de mage, hein. Regardez, il me l'envoie même quand je suis au cac. Ouais, je n'ai marre. Ok. Tu as aussi à prendre qu'une popo. Non. Non putain, je vois rien, rien. Mais on voit rien aussi. J'essaye d'esquiver mais on voit rien du tout, la caméra fait n'importe quoi. Putain, je me bats tellement hein, pour rien. Est-ce qu'il fait une autre phase comme ça après? Ou il se re-soigne ou pas? De toute façon...
Avant de demander ce qu'il fait plus tard, faudrait peut-être que je réussisse à survivre. Je me rendrai bien compte toute seule. N'importe quoi, je fais n'importe quoi. Du coup, je me tiens. Excite-toi tout ça, je me tiens. J'ai voulu faire comme tout à l'heure, j'ai pas bien réussi, je m'en veux de fou, je me sentais bien, moyennement. On peut passer à la suite s'il vous plaît ? Ça fait combien de temps déjà ? D'accord. Je sais pas si j'y arriverai aujourd'hui. Hein. Ah oui, j'avais oublié, faut que je fasse ça. Passage par cœur. Super. Je me barre. Faut que je prenne ma popo donc je peux que faire ça. Voilà. Que fuir, ça m'énerve. Il est pas legit, alors je suis pas legit. Allez, bois. Merde. Ok. Non ! Non, mais il fait trop mal ! C'est un câble.
T'as pas fini le jeu? Non. Allez, meet you. Ah, et puis j'ai pas joué depuis 2 mois, donc c'est l'horreur. C'est l'horreur. Hein. Bon, j'arrive de plus en plus à atteindre la seconde phase, mais bon, faudrait que je fasse quelque chose, quoi. En fait, ils m'ont one-shot beaucoup trop à la seconde phase, c'est horrible. J'ai oublié de faire mes buffs. Combat. Oh putain. Elle court pas là. C'est parti. C'est officiel, c'est l'Ox la meilleure. Oh ça on le savait. Merci. Très gentil. Mais j'en chie des bulles. Allez. Voilà. Putain, c'est trop dur. J'arrive, hein! Je vous promets que je lirai vos messages un jour. Non, mais ça! Hop! Je veux plus! J'ai plus tendu, j'ai plus rien, je veux plus! J'ai plus rien en fait! Le comble pour un éleveur d'oublier ses buffs. Merci, amitié, merci. Et c'est très dur. Je galère un petit peu, je sais pas si ça se voit. Pas du tout. Après c'était quoi? Ah oui, ça. J'utilise la mana pour rien, ça j'adore. À cause de 3 gouttes de pisse, quoi! Pas de sang! Ridicule! Comment on va? Nul! Thrice.
Avec ces blagues là qu'on se rend compte que je manque pas. Mais au contraire c'est parfait, en plus Grisio est pas là pour faire des jeux de mots comme ça. On est très client de jeux de mots ici. Moi aussi je peux jouer. Hein. En deux. Merde, j'avoue, pire moment, mais là ça m'arrangeait pas de prendre une popo, ça m'aurait donné ce passage est trop dur. Et con pour un calendrier d'utiliser l'almanach pour rien. Ouais, c'est le dernier du genre. Je comprends pas le jeu de mots. Utiliser l'almanach pour rien. C'est pas le jeu de mots. Ah oui, c'est ça après. Ah, j'adore utiliser la mana pour rien. Désolée. J'utilise trop de trucs. Vous avez vu ce que ces petites gouttes de merde là m'ont... Vous avez vu tout ce que ça m'a mis? J'ai plus de vie. C'est fantastique d'être un putain de mage. Merci Amitu, c'est exceptionnel. Moi ouais, je prends vie là. Vise les points vitaux, mais il est mort ce connard là. Mais bon, dans ce jeu être mort, ça veut dire que tu vas revivre à peu près 1244 fois pour venir faire chier ton monde. Putain. C'est ça la vie éternelle, dis non. Oui. J'ai pris un paysan niveau 1, c'est pire qu'un mage. Oh mais après t'as fait peut-être un bon choix de points. En fait mage c'est très bien au début, mais après ça chie. Voilà, petite mana là. Et puis bon, tu joues sûrement mieux que moi aussi. Bon, c'est votre cas à tous, hein, sachez-le que je... Sachez que je le sais. Bon, vas-y, je laisse me tuer. Vise les yeux, vise les yeux. Vise les... Couilles. On sent la gasse urps. Il est sorti par la bite celui-là. Merci beaucoup pour le follow Nagasturps. Bienvenue. Très doux de ta part. Ah. Ah. Bien meilleur que moi, tu vas continuer. Moi j'ai arrêté au premier monde. Premier, je sais pas. Bah après c'est un jeu très très long, hein. Moi je comprends qu'on arrête. Hein. J'ai voulu aussi arrêter, enfin j'ai failli stopper plusieurs fois.
J'ai un peu stoppé là parce que je faisais, enfin voilà, pendant près de 2 mois, mais parce que j'étais vraiment sur d'autres trucs. Un mois et demi plutôt. Mais à un moment j'étais en mode, je veux finir très vite, j'en peux plus. Mais je voulais quand même le finir, je voulais pas que toutes mes heures elles servaient à rien. Et maintenant, bon, je veux bien prendre mon temps, mais je veux quand même vivre d'autres choses. Des moments comme ça là. Moi c'est Elden Ring, donc je sais pas ce que j'espère comme moment, mais... Oh oui, mais j'ai pas de mana. Mais merde, je me suis trompé de touche. Je m'en étais très bien sorti, là je me trompe de touche parce que j'ai... Ah, bulle magie tout à fait. Très mauvais choix. Magie c'est pété. Magie c'est pourri. Tous ceux qui font des builds saignement, ils s'en rendent compte. Magie c'est pété au début. Après c'est pourri. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de mobs qui craignent la magie, en vrai. Très peu de boss. Notamment de boss récurrents qui craignent la magie. Et qu'ensuite, même en mettant beaucoup de points, ça fait pas tant de dégâts que ça, malgré un bon équipement. Après, j'ai pas le sort le plus ultime de tous, j'ai oublié de mettre mes buffs. Mais non, la magie c'est pas pété. Mais c'est même les gens à force de me dire, mais tu fais pas beaucoup de dégâts, machin. C'est... Moi je faisais vachement plus mal avec mon duel, machin, machin. Je m'en suis rendu compte, hein, sinon moi je me disais pareil. Hein. Si je prends le jeu, je ferai un build de force et dex. Oui, bah c'est plus intéressant. Et si je prends Sekiro, bah Sekiro. D'accord. Mais non, bah magie c'est pas pété. C'est juste que c'est beaucoup plus facile d'accès. Pour les débutants. Et moi je suis totalement débutante dans ces jeux-là. Enfin dans les Dark Souls. Donc j'ai préféré faire un build accessible en tant que débutante. Mais voilà, sachez que ce n'est pas... C'est pas pété. Rapide, oui non mais t'auras du saignement hein. Si tu fais un build dextérité, t'auras du saignement et tu te rendras compte de ce que c'est que faire du dégât. Je fais n'importe quoi. Oh vas-y, ça me saoule, je vais mal commencer. J'ai l'impression d'être une experte quand même. Une experte en lose. Lose. Je fais que lose. Ça me file un peu le blues. Putain de sa race, oh, j'en ai marre de... J'en ai marre que ça me fasse ça met quasiment mid-life pour 3 pauvres gouttes. C'est insupportable. Faut que je me casse, mais le problème c'est que là il est pile poil au milieu. Du coup c'est chiant. Voilà. Ça sert à rien de se mettre derrière ça, hein. Faut savoir, c'est juste que ça me permettait d'être loin de lui, mais ses coups passent toujours à travers, ou les pets, mais voilà. De toute façon, son arme passera toujours, et ces petites gouttelettes de merde là, passeront toujours à travers le décor. Cours, s'il te plaît. Merci. Merde.
Ça me fait trop mal ça. J'en peux plus de ces trucs là. Non. Je fais mon sort à chaque fois. Je fais mon sort au lieu de faire la popo, ça fait deux fois que je fais la même chose. Ça fait deux fois que je me trompe, mais c'est parce que je fais mon sort d'abord et ensuite je fais la popo, mais j'appuie sur la même touche. Vas-y, Kruger, elle avait pris un bulle de saignement aussi. Elle a tout compris, le type, ok? Le bidon dans un verso? Oui, bah c'est pour protéger mon bidou. Don't judge my bidou. Je crois que les buffs que je prends, ça m'aide à ça. Donc je vais essayer de les stun. Voilà, donc ça, voilà, ça y est. Du coup, je suis quasi morte. Hein. Super! Ah! Ma tranquille. Super. Chaque fois j'utilise mon shield, je perds instantanément. J'adore quand il dit bleeding. J'utiliserai le mot de en avant pour faire des photos à la place de cheese ou smile. Mais de toute façon, smile, ça fait pas sourire. Smile. Souris. Souriez. Ça fait sourire. Ou épidémie, ça fait sourire. Alors, c'est quoi déjà? C'est ça. Non, non, il est trop loin. Faut que j'arrête de faire ça quand il est super loin. J'ai fait plus mal en faisant ça quand même. Moi ouais, je vais faire ça, je vais esquiver vers lui quand il me fait sa merde là. Non, j'ai esquivé trop tôt. On va y aller. J'ai esquivé au loin. Plus pour les photos de groupe, je suppose. J'aime bien. Sinon, je vais tenter avec une invoque parce que vraiment là, ça me saoule. J'ai dit que j'en utiliserai pas, mais. Enfin, non, j'ai pas dit que j'en utiliserai pas. J'ai dit que je voulais pas en utiliser. Vraiment que ce soit l'horreur. J'avais réussi à m'y tenir jusqu'à présent, mais je crois que je vais être obligée. Hein. Parce que je veux passer ça. J'ai réussi à ne pas le faire hein, jusqu'à présent. Sauf au tout début quand je découvrais le jeu. J'ai très vite arrêté. Version adulte qui commence par ça. Ouais, c'est aussi pour des photos de groupe, mais en pleine soirée ça. Sopalin. Je suis trop innocente moi, qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que je fais? Alors, on va faire ça. Alors, on va faire ça d'abord. Ensuite. Je sais même plus comment on fait les raccourcis. Ah, c'est Y. Il y a même plus! J'ai enlevé mon invoque tellement... Tellement je fais plus. En plus du coup, bah elle était améliorée, mais vite fait. C'était qui? Je sais que c'était un soldat, c'était lui, je crois. Oleg. Je sais plus. C'est un que j'ai amélioré, mais je peux pas voir les améliorations.
C'était Engvall ou Oleg? Peut-être aucun des deux. Je sais plus. Je crois que c'était Oleg. On va voir. Je sais plus du tout. Bonsoir petit Dan. C'était pas lui, je crois, c'était pas Oleg hein. Il prend même pas l'aggro. Il va me servir à rien. Ah si, là il a pris l'aggro quand même. Il prend cher. Je sais pas si c'est très utile. À moins qu'il le vise lui pour son saignement. Ouais, il l'a déjà tué. Voilà, c'était mon invocation. Lutel. Ah, c'était Lutel. Ah, c'était pas lui, hein, c'était Lutel. Oh non, sérieux, je... Oh non, c'est foutu. Et... Ouais, c'est n'importe quoi. Alors, c'est vrai que l'important dans Elden, c'était le style, quelles que soient les stats de l'armure. Le style, quelles que soient les stats de l'armure. J'ai pas compris. Ça ressemble à une boule de bowling. Oui. Ah oui, d'accord, le style... pardon, excuse-moi, je croyais que tu parlais du style de combat. Oui, bah c'est pour ça que j'ai choisi cette armure. Mais surtout, moi, j'ai très peu de vie, donc j'ai pris l'armure qui me protégera le mieux. Et du coup, c'est du roi Luther. Bon, je vais essayer machin, alors. Oh là là, j'utilise des invoques, ça me dégoûte. Ah, Lutel, oui, c'est Lutel. Il a une tête de cheval. On va voir. Écoutez, on va tester. Et ensuite, c'était quoi? C'est ça. J'avais hein, d'autres armures à une époque. Mais bon, je meurs déjà suffisamment bien. Mince, attendez, du coup faut que je fasse ça. Ah oui, c'était bien lui, je me rappelle. Vas-y Lutel, attaque! I choose you! Oh, il se fait maraver! Et moi aussi, je me fais maraver, ça me dégoûte! Arrête! Pardon. Merci, salut Grisio! Ça me servira à foil hein, d'invoquer. Hein. Ensuite, peut-être un petit peu. Une vise là. Ah, ça m'emmerde. Vise Lutel, vise Lutel. Arrête! Mais ça me fait trop mal. J'en ai marre. C'était dans le même temps. Ouais, j'ai mis trop de temps à faire mon sort, ça m'énerve. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Non, mais Lutel! Oh mais vous dehors, regardez moi une shot. Mais un coup et moi une... Bonne nuit Grisou. Bonne nuit.
Ça me saoule. Oh, j'ai oublié de faire mes trucs. Non, je suis trop loin, faut que j'arrête de faire ça maintenant. Non, pas ça. Merde, la... Non, la pluie. On est mort. Non. Au fou, je pars me heal. Plus de mana. Sommet un jour ou pas? Il va me duer. Je me souviens d'une fois. Un moment où on voyait des trucs du tout en haut. J'avais démonté. Ah, ça c'était le passé quand je faisais des trucs bien. C'est mignon, YouTube. Ça se transformait du sang en feu. Bah, moi je trouve que c'est un peu du cheat quoi. J'esquive en retard. Ouais, vas-y, fais tes trucs là. M'en fous. M'intéresse pas. Parfait, comment je vais parfaitement dans le... Dans le sang enflammé là. Ah oh, voilà, là ça le fait maintenant là. Laisse-moi tranquille. Je peux pas me heal. J'ai aucun moyen. Il me spamme tellement. Valen, ça veut pas, ça veut pas. Ça va faire des pauses. Oui, non, mais j'ai fait une pause de 2 mois, ça va quoi. Je peux pas faire que ça. Ah, le boss que j'ai OS. Ah, tiens. Un autre qui vient me dire à quel point je suis nulle. Salut. Comme je le dis, je sais que vous êtes tous vachement extrêmement bons. Hein. Pas la peine de... Pas la peine de venir le dire à chaque fois sur le chat. C'est...
je sais que tu as chié, je sais, vous inquiétez pas. Et vous, vous êtes ultra giga trop fort. Évidemment. Peut-être ça. Non, j'aurai pas le temps. Bon, non. Non. J'ai voulu préparer à le frapper, j'aurais pas dû. Bon, là, je me tire. Ça. Oh putain, c'était limite encore. Non mais je le tape quand? À quel moment je peux le taper en fait dans cet enchaînement de merde là? Il connaît pour être très dur. Non, non, apparemment tout le monde le hait. Il est surtout dur pour moi. Salut Morfufu! Où tu vas? Moi je joue en type mage Kamehameha. Je sais pas ce que c'est type mage Kamehameha. Moi aussi je joue mage. On sort pour te débarrasser des anneaux. Possible. Je le connais pas. À tous les coups, ça va être une incantation pour se débarrasser des anneaux qui demande à peu près 1200 de fois. Parce qu'en fait, dans ce jeu, tous les trucs utiles, faut avoir de la foi. En fait, sur tous les boss, si t'as de la foi, tu t'en sortiras. Tous. Parce que bah, la foi te permet d'avoir plein de types de trucs utiles. Alors que si tu fais build Intel comme j'ai, bah le jeu va te dire d'aller te faire enculer en fait. Parce que t'as aucun avantage. À part la distance. Les sorts ont une bonne distance. C'est le seul avantage. Tu cours quand tu veux. En fait, il y a un mur après. Il faudrait arrêter. Oh, j'ai choisi un bon timing, moi. Je touche au moins quand je fais ça? Oui. Non, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Ah, c'est le bon moment pour se tirer, par contre.
Désolée, je t'ai concentré. Vincent, c'est une larme à mettre dans la fiole de Salut Miraculeux. Ah, ok. J'ai un build Intel. Sérieux ? Pardon, je croyais qu'il y avait un point d'exclamation. Du coup, je l'ai dit avec point d'exclamation, mais il n'y avait pas de point d'exclamation, il y avait juste deux ailes. Ça. Une alarme de cristal purificatrice. KMMS c'est Comète Azur. Ouais, j'ai pas. On m'a dit de rebuild, du coup, j'ai plus assez de... J'ai plus assez d'intel pour les avoir. De rebuild, qu'est-ce que je dis? De respi. Non, je prends vie là. Et puis ce qui me saoule, c'est que si je vais aller à un feu, je serai trop loin après. C'est ça aussi, c'est qu'il est super mal placé ce connard là. Alors, inventaire. Le cristal purificatrice. Moi, je l'ai pas. Je l'ai pas. Déclenche une explosion, ça va bien ça. Il l'aime cette Mickey-là, mais moi je l'aime pas. Comète, domaine magique, comète azur. Spirale d'éclat et grand arc de Loretta. Non. Je sais que Comet c'est bien, mais je peux pas encore l'avoir après au niveau des autres sorts de ce que j'ai testé. Je sais pas, j'ai bien quoi ce que j'ai. Jusque bon... Pas les sorts les plus puissants quoi. Je m'enfuis. Là tout d'un coup j'avais plus envie. Y'a pas de plus grosse pouboule. Les comètes semblent petites. Oui, effectivement, parce que bah pour au niveau des autres sorts, j'ai des trucs qui demandent beaucoup de mana mais qui font pas beaucoup de dégâts et qui sont, enfin par rapport à la mana qu'ils demandent et qui sont pas très rapides. Là au moins, ça a l'avantage d'être rapide. Là, ça esquive tout seul. Bonjour, le CS flamboyant. Sont petites mais très nombreuses, les comètes de Picasse. J'en ai encore plus petites. Je fais bâton, bouffe énormément de mana. Pour pas beaucoup de dégâts en plus. Je sais pas. Moi j'écoute les gens, on me dit... dis toujours ce, ce qu'il faut que je fasse. Donc à force, j'ai cet équipement. Et j'ai respect. C'est pas tant la mana moi, c'est vraiment l'endu quoi. J'ai mis beaucoup de points en enduit et je trouve que vraiment elle part extrêmement vite. Et ça me met dans la merde tellement souvent. Si j'arrive à esquiver aussi, ce serait quand même plus facile la vie, non? Donc là, il s'arrête plus jamais là. Là, c'est foutu. Non, mais sinon, j'ai pas de fenêtre pour le frapper en fait. Il ne s'arrête pas. Et le même bâton en plus 10 trop bien.
Ouais, vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'au niveau des builds, bah, les gens sont pas d'accord. Du coup, c'est un peu difficile de savoir ce qui est bien. Une épée, j'utilise l'épée de la nuit ardente. Et c'est quoi l'épée de la nuit ardente? Une épée qui fait du feu? Et voilà, par exemple, j'ai ça. Mais déjà, voilà, faut que je charge à fond pour que ça fasse max de dégâts. Et regardez ce que ça lui a mis par rapport à toute la mana que ça m'a demandé. Ça me prit un cinquième de ma barre à peu près. Pour, par rapport à ça, vous allez voir la différence. Là, regardez bien la vie qu'il a pris. Maintenant, ça. D'accord, c'est moins. C'est à peu près moitié moins. Ah. Sauf qu'au niveau mana, ça en demande quand même moins de la moitié que mon sort juste avant. Et en plus, c'est plus rapide. Donc en fait, faire les gros sorts pour le moment dans les sorts que j'ai, c'est pas worth. L'arc, je le fais quand je sais qu'il va avoir un mob très rapide, quand il est dans une phase de calme. Je fais l'arc pour faire beaucoup de dégâts en un seul coup, parce que je sais qu'après il va bouger une fois qu'il aura eu un coup. Donc voilà, c'est... Ou alors quand le mob est loin, parce qu'il a une très bonne portée, l'arc, par rapport aux autres sorts. Mais voilà, ça dépend des moments. Faut que je me casse pour de la mana. Ok. Merde, j'ai cru qu'il allait faire l'autre coup. J'ai le petit freeze par contre. J'espère qu'il n'y a pas les microfits comme il y avait à une époque quand je jouais. Ça a l'air d'être bon. J'ai même pas vérifié. C'était il y a un petit moment, j'avais des microfreeze que sur le live, pas sur mon jeu. Toutes les genre 10 secondes, c'était très chiant. J'ai pas l'impression qu'il y ait. Je pense que vous m'aurez dit dégueu ton jeu aussi. Je l'espère. Non, j'aurais dû esquiver vers lui. Résultat, je suis humide. Qu'est-ce que je dis, je suis humide? Beaucoup moins. Moi, je me base que sur mon avis, que je coûte jamais les autres. Oui, mais quand tu streams, on te dit toujours que tu fais pas bien. Et après, en soi, c'est souvent pas mal de dire ça. Moi, ça me dérange pas parce que je connais pas les Souls, donc heureusement qu'on m'a beaucoup conseillé. Mais c'est qu'aussi, bah voilà, quand il s'agit des trucs très spécifiques comme les builds, ça fait que si les gens sont pas trop d'accord, bon bah c'est le bordel quoi. Et moi, j'avoue que j'ai pas à chercher plus que ça sur internet pour savoir ce qui était worse. Vite fait hein, quand même, mais je l'ai pas fait beaucoup non plus. Et j'avais vraiment pas très envie de rospé, j'ai quand même fini par le faire parce que... Bah surtout pour tuer un mob que je détestais, un type de mob que je détestais qui peut être tué par le sort de soin, donc par une incantation. Donc il faut de la foi, ce que j'avais pas du tout. Et ça pareil, c'est un truc que je savais pas. C'est grâce au chat, mais du coup voilà, effectivement... je sais que après... pour des trucs plus spécifiques. On n'est pas forcément d'accord. Et puis bon, quand c'est ton premier Souls, c'est bien d'écouter les conseils, je trouve. Après bon, c'est pas forcément... On peut tout faire en solo et tout ça, évidemment. Mais moi qui connais pas du tout, bah c'est sur plein de trucs, j'avais pas compris comment le jeu fonctionnait, j'avais pas compris pas mal de trucs et du coup bah voilà, c'est aussi pour ça que j'écoute les gens qui connaissent. J'aurai pas le temps, vas-y je tente. Je tente parce que là, je discute, du coup je fais d'un break. Ah d'accord, c'est compliqué là. Coucou. Un peu coincé.
Hein. J'essaie d'être bien collé, mais des fois, je n'y arrive pas. Ce bâton, 50% de mana dépensé en plus pour environ 10% de dégâts en plus. Je sais pas, il est conseillé apparemment par plein de gens. C'est pas pour rien. 50% de mana en plus, ça doit pas être à ce point-là. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci pour le follow, Roi Luther. De le tabasser, jeter contre le mur, puis l'insulter, afin de l'affaiblir. Elle tient un mini Kamehameha, un demi-cercle de flammes. Ok. Sauf j'ai stuff azur avec des jambières. Bah non, mais moi là j'ai changé en fait de stuff pour avoir une petite résiste à son saignement en fait. Enfin, pas à son saignement, mais à son truc ardent là, je sais pas quoi. Parce que voilà, je prenais trop cher sinon. Donc c'est pas mon build. Je sais plus ce que je mets d'habitude, mais c'est pas mon truc de d'habitude quoi. Sauf le bidou, j'aime bien ça. C'est le swag qui est important. Sinon, je retente mon invoque, mais bon. C'est pas fameux non plus, quoi, hein. Je pensais que j'étais assez loin, je me déteste quand je fais ça. Ouais, il s'arrête plus jamais, je tire. J'ai compris, je me casse. Allez, vas-y, vas-y. Faut que je te tape. Ah, il se stun jamais en fait. J'aurais pas dû faire maintenant. Là j'ai gâché une demi-popo. En gros, enfin l'équivalent d'une demi-popo. En même temps pour le moment j'arrive pas à court de popo de mana, donc c'est pas très grave. J'arrive à court de skill par contre. Pas des popos de skill. Toi, je te... Il va me défoncer. Non, ça va. Tout va super. Allez. Arme de bagnole, la mienne. J'ai pas ma larme de bagnole, moi. Technique pour les mages. C'est un esprit qui tank. Non, mais ça, je sais bien, évidemment. Je sais que les invoques qui tank, c'est goldé. Et c'est pour ça que c'est ça qui va rendre un mage cheaté ou pas. C'est avoir une invoque qui prend tout pour sa gueule. Et toi, tu restes à distance et tu fais des piou piou piou. Mais moi, je joue pas comme ça.
Déjà parce que bon... Et après un million d'années que j'ai pas amélioré mon avoc. Et que je m'étais dit, bon c'était au tout début du jeu, mais je m'étais dit que ça rendait certains boss assez anecdotiques justement. Bon, j'ai bien sûr fait par contre l'invocation de masse pour je sais plus qui, mais celui qui est sur son cheval là, pour son mini cheval mourant. Parce que la scène était quand même stylée, ça valait le coup. M'en vais. J'ose pas taper. Arrête. Voilà, je me mets full parce que sinon il me one shot de toute façon. Il ne me one shot peut-être à moins. Vous savez, si je suis tout le temps full. Parce qu'à chaque fois il manque pas beaucoup. Mais ça suffit à ce qu'il m'éclate la gueule. J'ai jamais été aussi loin, j'ai peur. Non, je m'en fous, je recule tellement. Moi, c'est la run no balls, hein. Non mais ça... Arrête! Mais il est trop méchant! Ça hanche? Ouais ça hanche. Radan, c'est ça. Tellement satisfaisant quand il arrive sans invoque. Ouais, en fait c'est surtout que ça allait assez peu quand il arrive avec des invoques. À moins que tu galères même de ouf avec tes invoques. Mais ouais, c'est que du coup, bah, ça perd beaucoup. Surtout en tant que mage. Je pense que pour d'autres builds, les invoques sont moins cheatées. Mais en tant que mage, vu que tous tes dégâts seront faits à distance, bon bah ouais, ça... Quand même quoi. J'ai fait deux fois le même, je crois. Je déteste. 100%, pas mal. Merci! Merci beaucoup, Wanyan. La No Balls. Oui, je rigole à ça, ouais. Pas honte. Bon, j'ai fait deux fois mon truc, du coup, ça va miser de la mana. Mais bon, la mana, en vrai, j'en manque pas à partir du moment où j'arrive à en utiliser au bon moment.
Là, je vais encore d'en gâcher. D'accord. Non mais c'est pas grave, là c'est la run de la mana. C'est en solde, pas de soucis. Ah, je croyais qu'il s'était stun tout seul. Je pense que c'est pas possible. C'est chiant. C'est officiel, c'est l'Ox la meilleure. Oh ça on le savait. Non si. J'ai plus de mana. De mana de d'endu. Là, je te demande de courir. Ah, t'as plus d'endu. Oui, mais c'est bon, là, t'en as. Vas-y, 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 vas-y. Je ferais bien un truc. Maintenant, c'est ça. Je courais, c'est trop chiant. Il est trop méchant. Non, je me crame. Non, il va me faire des trucs. Attends. C'est bon. Franchement, il est sympa. Il a attendu. J'ai dit, s'il te plaît, attends. Il a dit, ok, sista. Et après, il m'a éclaté la gueule. Que ça reste quand même un petit filoutube. Non, je vois rien. Je vois rien. Je vois rien. Non, mais. Je voyais rien du tout. On n'a pas l'entrave. Si, je crois que je l'ai. Je sais plus. Merci petit Dan. On va y arriver. Je stun tout seul. Il est assez maladroit. Écoute, j'en serais probablement capable, je jugerai pas. Il avait très soif. Attendez, j'ai fait des bêtises. Merci, Mix. Pas grave, il fait chaud. Alors, on fait ça, 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 on fait ça. Allez. Ça, ça me permet d'avoir des trucs qui stun plus vite. Je me rappelle un peu. Écure d'une loi étrange. Je vous fais ça après la run. Faudra peut-être me le rappeler. Super. Va arriver très vite la lecture de la loi, je sens.
Infini, oui. C'est de méchant. Je m'enfuis. C'est deg, hein. Trop deg. Non, c'est pas du tout le bon moment. C'est pas grave. Cadeau. Notre display, des jolis autocollants. Je les ai gardés. Alors, attendez. Dans un pays qui n'est pas les États-Unis, à vous de deviner lequel, il est interdit de tricher aux examens sous peine d'être envoyé en prison dès l'âge de 15 ans. Donc en fait, tricher aux examens égale prison. C'est pas égal banni pour 5 ans, 10 ans ou à vie de l'examen, c'est prison. Non, pas les États-Unis, j'ai dit. La Chine, non, mais c'est l'Asie. Je peux pas utiliser d'entraves. En vrai, les entraves, bah, j'en avais pour d'autres boss avant. Je sais plus, c'était Godric ou je ne sais plus qui avait besoin d'entraves. Et je savais pas que ça existait. Du coup, j'avais fait 100. Du coup, je me suis dit, bah là, voilà. Hein. Essayer de faire pareil. Voilà. Corée du Nord, Japon, non. Non plus Corée du Nord, toujours pas. Indonésie, non. En Taïwan, nope. Thaïlande, non plus. Ah. Merde, je fais... Bon. Je fais que me tromper. Cambodge, t'es à Mongolie. Non, Laos, non. Le bouton, hein. Mais on n'y pense jamais. Je comprends que vous trouviez pas. Non, c'est pas l'Inde. C'est le Bangladesh. Voilà. Attendez, je vais relire exactement la loi. Oh, je vais laisser me tuer là, ça m'a saoulé. C'est où? Ah oui, là. Au Bangladesh, il est interdit de tricher aux examens sous peine d'être envoyé en prison dès l'âge de 15 ans. C'est pas un pays, mais c'est un état. La Chine aussi, j'en sais rien. Je sais rien du tout. C'est un état à part, le Bangladesh. Mais bon. C'est un petit peu difficile de décrire dans un pays qui n'est pas les États-Unis. Je dis souvent ça avant de commencer. Parce que je vais pas commencer à chercher le terme adéquat. Vu que entre les états indépendants, les principautés... Les pays non reconnus et tout ça, c'est un peu compliqué. Pas de BIB, ça peut pas être un état. Mais c'est à part en tout cas. Alors après, j'imagine que c'est un petit peu comme Hong Kong, j'en sais rien. Je suis jamais penché dessus, j'avoue. Mais le PIB, tu peux le calculer pour une ville, hein. Bonne nuit petite dame des zoubis. Oh, j'ai 1h40 de VOD. Bon, je vais arrêter VOD là, et puis on va recommencer une tout de suite après, on va voir VOD.